Hey hey hey, coucou mes petits culs, bienvenue pour ce nouvel épisode du Lord and Lady Challenge aujourd'hui. Eh bien, nous avons quelqu'un de triste dans la maison. Ah. Non, tu vas pas gueuler. C'est laquelle des deux déjà, celle-ci blanche? Blanche, non, tu ne pleures pas. Tu dois... Ah, c'est sa sœur qui gueule! C'est Colombe! Oh la relou! Colombe à la fin! Tu commences bien, tu vois. Bouffe ton champi, là. Bouffe ton champi, bouffe ton citron. Arrête tes crises. Et arrête d'embêter ta sœur. Alors, est-ce que ta faim remonte? Oui. Alors, toujours le champi, mais pas le citron. Hein. Eh bien, tu vas manger le dernier citron. Le champi. Oh là là, je sais plus ce que je raconte. Ça va mieux? Allez, tu dors maintenant. Ça suffit. Il est 2h du matin, 3h du matin. C'est dodo. Qu'est-ce qui se passe? Eric Furlon est décédé. Bah, c'est pas quelqu'un de notre famille, logiquement, donc on s'en fout. Et sinon, le petit Perceval. Mais quoi encore? Non? Mais va dormir. Oh, oh, c'est... Oh là là. Oh, ça commence. Après, les gamines, elles vont grandir. Hein. Leur anniversaire, c'est dans un jour. On peut fêter les anniversaires. Donc, je vais pas me gêner de les faire grandir quand elles vont clignoter. Comme ça, on sera vite débarrassé. Hein. Bref, le petit dernier Perceval est né dans l'épisode dernier. Il devrait devenir bambin aujourd'hui. Et je parie fort qu'il sera blond, hein, évidemment. Bon, bah il a popé. Oh non, il est même pas blond. Il sera 1, 2, 3. Espiègle. Il pleure encore alors qu'il a grandi. C'est pas grave. Perceval est brun aux yeux bleus. Les bleus de papa. Ok, bon, on a zéro enfant blond pour l'instant. J'ai envie de me flinguer. Bon, plus rien ne va. Les gamines ont faim, Adélie. Adélie, je suis désolée, mais tu vas pas avoir le temps. Il va falloir que tu prépares le petit-déj. Mais pourquoi t'es encore triste? Décès dans la famille, quelqu'un de proche? Mais qui? Mais Furlon, on le connaît pas, nous. Oh... Oh, Gaspard, tu as vu ton fils a grandi et il ne te ressemble pas? En tout cas, pas en couleur de cheveux. Mais voilà, le petit Perceval devient grand. Les petites sont déjà prêtes pour manger leur petite salade de fruits du matin. Faut pas aller les chercher. Bon, le petit Perceval, si, mais... Et Adélie, tu peux appeler à table, en fait, parce que tu vois... Compétence suite en cuisine? Ah ouais. Mais si on t'achète le chaudron, toi, tu vas faire des miracles, hein. Ce sera fini les macaronis au fromage, un peu. Hé, hey, oh! N'en a marre, hein. Adélie, tu t'excuseras avec élégance auprès de ton mari. Et tu iras pisser aussi, et te laver. Plus rien ne va. Petite nouveauté pour les plantes. J'ai trouvé que c'était beaucoup plus classe, quand même, de mettre nos petites plantounettes dans des bacs. Ah, on est des bourgeois, on n'est plus des fermiers. Donc maintenant que les finances commencent à arriver tout doucement, eh bien ce sera beaucoup plus joli. Et tu vas du coup t'occuper des plantes et entretenir le petit jardin. On n'a pas encore récupéré nos rosiers et nos trucs, mais bon, ça devrait pas tarder. Mais elle s'est pissée dessus, Adélie, encore. Oh là là, mais c'est un carnage, ma belle. On oublie... Oui, mais... Oh! Mais va... Bon, lave la gosse. Donner un bain rapide et tiède à Blanche, qu'elle est juste à côté de toi. On n'oublie pas qu'elle est enceinte, effectivement, Adélie, du 4e enfant. C'est la début de grossesse, donc la plus compliquée, on va dire. J'en ai marre, même quand elle n'est pas trop enceinte, elle se pisse dessus, quoi, l'enfer. Et comme il pleut bien dehors, comme vous pouvez le voir, bon, bah, ça donnait un petit peu de peinture en intérieur. En espérant qu'il fasse des beaux chefs-d'œuvre. Ah bah, ça commence mal, hein. Bravo, Gaspard. Mais qu'est-ce qu'il fait, lui? Il s'éclate sous la flotte, le mec qui vient vérifier si on a bien respecté les trucs écologiques, quoi. Bon, moi, c'est pas du tout dans l'ambiance du challenge, mais bon. Ah, et en plus, on n'est pas en jardinage écologique. Ok. Et voilà, une deuxième petite fille, toute belle, toute propre. Ah, et qu'est-ce que tu fais, toi? Non, tu laisses ton fils tranquille. Je sais qu'il est... Bon, il vient de sortir du berceau, hein, mais... Il est pas en très bon état, il a quoi? Ah bah, il manque d'attention. Mais t'inquiète, t'as deux sœurs qui vont venir t'embêter, là. Ah là là. Qu'est-ce que ça va être? Hein? Tu vas être choyé par tes grandes sœurs.
Ah tiens, viens le voleur. Pourquoi t'es triste? T'as rien à voler aujourd'hui? Ah oui, c'est ça. Oh là là, Gaspard, toujours au taquet. Tu m'étonnes qu'ils arrêtent pas de faire des gosses. Ah, au fait, je t'ai pas dit, mon grand frère, pardon. Je suis encore en cloque. Eh oui, quand même. Nous, on ne s'arrête pas, nous, hein. Mais qu'est-ce qu'il y a, mon fils? Qu'est-ce qu'il y a, Perceval? Ah oui, t'as toujours pas été relooké? Ah oui, oh, t'inquiète, ça va venir. Ah, puis, il fait encore des bons, ce gamin. Voilà, on va jouer avec son petit-fils, son petit gars. Hein, c'est bien le fils à son papa, ça. Oh, oui. Bah, ça y est, on a lancé la machine, il ne s'arrête plus, Gaspard. Et on vient de planter la dernière rose qu'il avait récoltée pour aujourd'hui. Donc, c'est très bien. Voilà, et tu vas sûrement pas faire la vaisselle. Non, si tu t'ennuies, tu peux aller peindre un peu. Alors oui, non, c'est vrai qu'ici, j'ai fait la petite chambre de Perceval, donc la pièce de loisir est pour l'instant ici. Tu vas me faire une impressionniste à 50 simflouzes, et puis on va voir ce que ça donne. Ah, oups, il se pourrait que j'ai encore une fois oublié de mettre de la lumière dans cette pièce. Regardez-moi comme ça gambade, là, les filles. Aïe, aïe, aïe. Ah, oh, s'ils perdent leur salade au menu, trop bien. En tout cas, c'est fou, mais Adélie garde la ligne à fond, quoi. En même temps, vu qu'ils ont un mode de vie hyper sain et qu'ils mangent très diététique, bah, elle prend pas un gramme, la chanceuse. Alors, Adélie, il est beau ton petit gars? Bon, il traîne en couche, mais vous inquiétez pas, on va le relooker, ce gamin. Allez, petit bonhomme, il est temps d'aller au lit maintenant. Voilà. Bon, bah, j'ai bougé la baignoire pour qu'il puisse allumer la cheminée. Ce qui est pas mal. Attention, toi, avant de venir dormir, puisque ben, il commence à se faire un peu froid dans la maison. Et c'est aussi l'automne hein, qui fait que. Puis vous allez me faire un petit crac-crac, hein? Eh oui, on en profite. On en profite, les trois gosses sont au lit. Faites-vous plaisir. Peut-être qu'après, il n'y en aura plus du tout une fois que bébé 4 sera arrivé. Parce que, au bout d'un moment, voilà. On va pas re-remplir la baraque, hein. Amusez-vous, les enfants. Ah, le bidou est sorti. Elle doit déjà faire pipi après le crac-crac. Donc, ben, dépêche-toi. Parce qu'après, tu vas être très fatiguée. T'as même pas fait la vaisselle. Je te l'ai demandé 15 fois, Adélie. Oh là là. Et voilà à quoi ressemble Perceval relooké. J'aime bien cette petite coupe de cheveux trop mignonne qui vient avec le pack Escapade enneigée. En tout cas, bah voilà, enfin pas de surprise, il est comme ses sœurs, hein, brun aux yeux bleus de papa. Gaspard est levé très tôt ce matin et il a enfilé ses habits d'hiver. Et aïe, quand ça commence à faire frisquer dans la contrée de Windenburg. Et je me réjouis de voir autant de fleurs. Bon, il y a quelque chose des petites choses à désherber, mais on a un beau rosier avec plein de fleurs. Oh là 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 là, on va être riche, 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 riche. Oui, ça va être l'anniversaire des filles. Oh là là, quel bonheur, deux bambins en moins. Oh, c'est super. Et puis on va pouvoir inviter la famille, Léa. C'est un bain qui ne va pas durer très très longtemps puisque nous avons des marmots debout. Le petit Perceval qui va se mettre à pleurer. Non, tu vas déambuler. Elle aussi qui va se mettre à pleurer. Non, tu vas courir partout. Oh, on va éviter les dramas de bon matin. Oh non, j'ai laissé pourrir la salade d'hier soir. Ah, youpi, on va devoir faire la lessive aussi. Et le bain des petites. Regardez-les-moi là. Et trois bambins qui descendent. Oh, y en a qui sont plus assurés que d'autres, mais. Et trois couches culottes à la suite là. Aïe, 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 les mille pattes. Oui, il fusionne complètement. Oh, mais que t'es belle, Adélie! T'as mis une belle robe, on voit presque plus ton ventre, pour faire la vaisselle. T'es magnifique. Allez, bon courage, Adélie. Tu as le bain des trois enfants à donner. Ouais, les trois. Alors que Gaspard, lui, va s'occuper. Deux petits jardins. Ouh, ça va, c'est un peu moins chiant quand même. Allez, youpi, ça en fait un de laver. Petit garçon, va par là. Et maman, tu vas laver une des deux autres. Allez, hop, on commence avec Blanche. Je viens de construire dans le jardin ce petit abri de fortune hein, pour que le linge puisse sécher plus ou moins au sec. Parce que là, on va avoir besoin de faire une lessive et le fil n'est pas libéré. Donc, c'est très, très relou. Donc, je me suis dit que j'allais faire un truc comme ça. C'est très haut parce que les murs ici sont hauts.
Et donc ça fait un peu bizarre, je vous l'avoue. Mais je pense que les petits abris préfets, ils n'abritent pas vraiment de la pluie. Oh non! Je vais te flinguer, Adélie! Elle m'a encore flingué sans boule! Et tu t'es censé faire le... nettoyer le cul de tes gosses, hein? Ah, oh non, puis elle me fait de la merde. Vas-y, tu m'as saoulé. Abandonne. Abandonne, tu m'as cassé les coucougnettes. Et t'as encore une gosse à laver. Franchement, tu m'as saoulé là. Allez. C'est une toile classique, ça. Des clowns qui font peur. Bah, tu peux mettre dans l'inventaire. C'est sûr que ça, on va pas garder. Et la maman de Gaspard est venue nous rendre visite. Elle est belle comme un cœur. La maison est dans un état. Ça va pas être possible. On va faire l'anniversaire des filles. Le gâteau est au four. Un petit gâteau au miel là. Ah, ça c'est bon ça. Regardez-moi ça. Elle a même pas fait la vaisselle. Oh, je vous jure. Tu m'ajoutes les bougies. Et on va inviter les gens. Regardez ce petit bonhomme. Comme il est mignon. C'est le fils de Godefroy et Séraphine. Sébastien. Vous vous souvenez le petit bambin? Ben, il est là. Happy birthday, petite blanche. T'es la première des jumelles. Tu remets au millico presto les bougies. Alors que la petite blanche grandit. Attention, une petite fille arrive. Blanche a désormais grandi. Elle sera en faculté créative. Allez, et elle sera 1, 2 et 3. Bon, pas aventureuse, parce que je trouve que ça ne colle pas au, tout simplement au challenge. 1, 2, 3. Oh, rat de bibliothèque. Ça, c'est bien ça. Voilà, première petite fille. Bravo. Bon, bah, pour l'instant, je dirais qu'elle ressemble un peu à son père. On prend le même gâteau et on recommence. Et c'est à Colombe de grandir. Happy birthday, Colombe. Petite fille aux cheveux longs. Et youp là! Elle a grandi. On va la mettre en faculté. Voilà, comme ça. Là, petit génie, elle sera 1, 2, 3. Bon, d'ici du soucicage, pareil, je trouve que ça ne colle pas au challenge. 1, 2, 3. Geek non plus, forcément. 1, 2, 3. Bah, crasseuse. Allez, une petite crasseuse. Merveilleux, Colombe. Superbe. Superbe. Ouais, tu pars déjà bien dans la vie, ma cocotte. Hein? En tout cas, pour l'instant, ouais, je sais pas. Peut-être un peu plus sommaire pour le coup. Je sais pas. Allez, c'est la ruée sur le gâteau au miel. Miel qui provient bien sûr de chez les Aubert, qu'on avait été voir et qu'on avait piqué un petit peu. Bon, allez, ça va. C'est du miel, hein, ça passe. What? C'est Séraphine qui vient de devenir adulte, là, comme ça, d'un coup. Oh, bah, Biquette. Oh, oui. C'est le même anniversaire que nos filles. Bah, tant pis. Mais dis donc, Adélie, toi qui as déjà du mal à faire la vaisselle. Non, tu vas pas prendre de l'eau. Non, 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 Gaspard! Non, 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 Gaspard, tu touches pas à la vaisselle. Oh, dis donc. Oh la vache. Parce que ça a l'air de le faire, hein. Mais il y a beaucoup à faire là. Alors, j'ai opté pour deux lits séparés pour les filles. Le problème, c'est qu'il va y avoir le souci des monstres. Ah, là, 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 là. Mais regarde, toi aussi! Ah bah non. D'accord, elle a préféré tomber dans les pommes. Ah, que tu puisses voir qu'il a vaporisé là. Vous pourrez dormir dans ce joli lit. Alors, il est vachement plus classieux que celui que j'aurais pris. Je voulais prendre celui-là, ce style-là. Oui, j'ai pas acheté les autres, hein. Je les ai recyclés. Mais ces lits-là, enfant, ils valent beaucoup, 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 beaucoup plus cher. Donc, voilà. On va garder un peu de sous quand même. Bon, bah, ce que je vois, Adélie a toujours pas fait la vaisselle. Et en plus de ça, il y aura la lessive à faire. Youpi! Moi, bon, Adélie. Mission, ne pas te pisser dessus. Oui, mais plus tu passes de temps à te plaindre que tu dois pisser sur le bord de ton lit, et ben tu perds du temps à accéder aux toilettes. Oh. And she did it! Bravo! Et l'accouchement aura lieu, et ben, au début de l'épisode prochain. Je sens des déceptions. Mais il y a aussi du suspense, c'est ça qu'il faut se dire. Wouah, niveau 9! Pour Adélie! Oh la vache! Être la pro de la cuisine. Et puis après, tu me feras un plaisir de tout nettoyer. Hein. Non, mais dis donc. Au niveau du relooking des jumelles, donc voici Blanche. Je lui ai mis des petites couettes toutes mignonnes. Et voici son premier look. En tout cas, à quoi elle ressemble.
Voilà, elle est mignonne. Quant à Colombe, je lui ai laissé cette coupe de cheveux parce qu'elle a grandi avec et que je trouve que ça lui allait bien. Et une tenue de ce qu'elle portera. Voilà, voilà. Bon, elles sont assez similaires, hein, en tout cas pour l'instant. Bon, regardez. Une des vraies premières conversations avec un de leurs enfants. C'est beau, hein. Bon, oui, il y a toujours du bordel, hein. C'est... Adélie a pas fait la vaisselle. Mais sa fille pourra l'aider. Ça, c'est bien. C'est pas beau de picoler devant les enfants, Gaspard. Puis Gaspard t'ira vite t'occuper de notre petit jardin. Parce que j'ai pas envie qu'on vienne nous le voler, tout simplement. Ouais, oh là là, il y a des déchets par terre. Je sais pas, le linge, il a dû disparaître. Tu peux me débarrasser de ça? Allez, Adélie. Oh là là, elle a des problèmes des fois. Ok, très bien. Eh ben écoute, tu vas passer à la lessive parce que là, il y a un grand besoin. Faire la lessive dans la bassine, c'est parti. Allez, Colombe. Tu es une bonne fille et tu vas aider ta maman aux tâches ménagères. Ou pas. Mais tu vas le faire, moi je te le dis. Tandis que Blanche est en train de faire de la lèche-cul auprès de son papa. Ah non, moi je discute avec papa, je peux pas faire la vaisselle. Et toute l'énergie qu'elle déploie comme ça à faire sa lessive, on dirait pas qu'elle est enceinte du quatrième. Hein. Par contre, elle va pas tarder à se pisser dessus. Et ça, ça craint. Bon, je crois que j'ai de nouveau un bug avec mes vaisselles. Hein. Parce que... Oh, il a attrapé une tulipe! Gaspard, il pêche et il m'attrape des tulipes. Mais Gaspard, mais tu es merveilleux. Mais t'imagines la tulipe? On va pouvoir la planter aussi. Oh là là, mais on va venir vraiment, vraiment trop, trop cool là. On va faire des trucs de ouf. Merci, merci, merci mon petit Gaspard. Bref, j'ai envie de dire que j'ai un souci. Ah, bah elle a réussi à la faire. Parce que bonjour, bonsoir. Bah tiens, tu vas faire tes devoirs, tiens. Ouais. Et ta sœur aussi, dis donc. Hé, hey, j'avais oublié qu'il y avait des devoirs à faire. Ouais, j'ai un problème tout court avec tout ce qui concerne mes déchets, quoi. La vaisselle... Les déchets, on voit bien qu'il y a un problème. Les Sims n'ont pas envie. Super. Allez, je te laisse aller te faire une petite sieste. Tu l'as mérité. Regardez comme elles sont studieuses, nos filles. Trop mignonnes. Mon Gaspard, il me trouve de tout. Hein? Mais il pêche des poupées vaudou, des tulipes, mais pas des poissons. Ce serait cool, un poisson. Hein? C'est pour le dîner. Ce serait bien. Il me récupère. Un cube du futur! Mais ça me sert à rien, Gaspard. Prends des poissons, s'il te plaît. Ou des fleurs, comme tu veux. Aïe, 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 c'est les grandes eaux dans les toilettes. Gaspard est demandé, s'il vous plaît, aux toilettes pour réparer. Regarde, ma fille, un jour, tu seras ballonné autant que moi. Et tu pondras des marmots par milliers. Enfin, peut-être pas par milliers, mais quand même. Viens là, mon Gaspard, on va planter la tulipe que tu as trouvée. Oh, c'est trop cool. En plus, c'est une fleur violette. Elle pouvait que me plaire. Bon, elle vaudra moins, je pense, que les rosiers, ni les chrysanthèmes, mais c'est quand même pas mal. Je suis contente. C'est l'heure de la bouffe. Tout le monde à table, ou presque, sauf pour le petit Perceval qui lui mange par terre. Mais qu'ils sont mignons, ces petits bourgeois. Regardez-moi toutes ces couleurs étincelantes et ces bonnes bouilles pleines de vie. Bon, ça manque de blond. Hein. Je ne vais pas vous le faire dire. Ça manque de blond. Et de blonde. Bon, elle finit sa salade parce que je veux pas gâcher. Et qu'elle l'avait commencé sans terminer. Et puis on s'arrêtera là pour cet épisode parce que... Après, il faudra faire un petit bébé, là. Alors vous allez me faire un petit crac-crac aussi. Voilà, ce sera pas l'antépénultième des crac-crac. Ni peut-être si des bébés quand même, peut-être. Je sais pas. On verra bien ce qui va sortir la semaine prochaine. Allez! Un petit crac-crac avant la dernière ligne droite. Enfin, c'est la dernière ligne droite pour le bébé numéro 4. Et moi, je vous retrouve la semaine prochaine, comme d'habitude, pour m'aider à me faire voir sur YouTube et aider l'algorithme à me mettre en avant sur YouTube. N'hésitez pas à commenter, liker et partager sur vos réseaux sociaux. Je vous fais des très gros bisous. À la semaine prochaine. Ciao!